avec de la salade, du cheddar. Regardez, ouais, je craque. La sauce à l'intérieur, elle est incroyable. Wesh la famille, c'est Adem et Bilal, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Adem, vas-y, explique-leur tout. On va manger un putain de mukbang quick. Ah quick, les burgers, les frites, tout est halal, même le coca il est halal. Ça veut dire on peut manger. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner envie un maximum et de grossir, mais après ça, c'est pas de notre faute hein. C'est le gras de la nourriture qui fait ça. Moi j'ai un truc à dire, faut se venger, faut commencer à se venger par rapport au ramadan qui arrive. C'est ça la famille, il y a bientôt le ramadan, d'ici 3 semaines on va plus rien manger la journée. Bon, en fait faut pas se venger, il faut se préparer. Exactement, là on se prépare, on va tout manger, toute la carte de chez Quick. Il y a 11 burgers, tout ça 115 euros. C'est un truc de malade, tout ce qu'il y a sur la table. Et en fait, attends, stoppons tout là. On n'est pas du tout à la maison là, on est dans un nouveau décor. Il y en a, ils savent pas. On a changé d'endroit, changé d'environnement. Ici, on est dans notre premier local. Donc voilà la famille, on a pris un local avec Adem pour charbonner, pour faire des vidéos, pour faire des streams sur la chaîne secondaire Chima et B. D'ailleurs c'est en description, allez vous abonner. Eh, abonnez-vous en masse, on sera en live presque tous les soirs. Surtout le vendredi, le samedi, le dimanche et le mercredi après-midi. Donc soyez à l'affût la famille sur la chaîne secondaire Chima et B. Et d'ailleurs là, il y en a, ils savaient pas qu'on avait pris un local. Il y a une vidéo qui arrivera sur la chaîne principale, les présentations du local avec Adem. On préfère pas vous spoil et vous montrer ça maintenant. Vous verrez, il y a une vidéo qui se prépare. C'est un projet et il est en train de s'aboutir et c'est grâce à vous. Merci la famille de nous suivre, vraiment on le dit pas assez. La Chima et B, on est ensemble, grosse force à vous. Mais bref, le sujet principal de cette vidéo, c'est la nourriture. C'est de manger. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur Instagram, c'est très important. Adem et Bilal tiré du bas off, allez vous abonner. Bah les premiers abonnés qui nous suivent là-bas, ils ont su qu'on était dans un local. Après je dis ça, je dis rien et je dis rien. Ah, bon visionnage, c'est parti. Perfect. Bon la famille, c'est parti pour la meilleure et la plus grosse dégustation de la chaîne. Je vais les exploser les burgers. Patate. Eh, on va être honnête, si on finit tout là dans cette vidéo, on va crever nos mères. Regardez-moi ce wrap magnifique. On commence. Adem, viens leur montrer. Oh là là là. Regardez-moi ça, la famille, avec du bon cheddar. Alors, c'est un wrap géant veggie, menu frites. Ah ouais, c'est ça, c'est une espèce de galette de pommes de terre à l'intérieur. En fait, ils se sont pas cassés la tête, c'est un tacos, clairement. Ouais, en fait, Zahma, ils donnent des noms, wrap. Tacos, mon ref. Regardez la famille. Bismillah, c'est parti, on y va. Il est bon? Dun, regardez-moi ça la famille. Rien que l'odeur de la famille, je peux vous dire que c'est du bon poulet. Il est incroyable, je vous jure, il est incroyable. Waouh. Ah. Pour l'instant, la vie de ma mère que je suis tombé sur un gros bout de sauce dégueulasse. Attends, mais t'es un malade ou quoi? À la base, on devait goûter, mais... Oh là 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 là, moi je vous jure, la famille, il est trop trop bon. On sent la sauce wrappeuse. C'est trop bon, wesh, toi t'es con. Attends, Dun, je retape un dernier petit croc là. Oh là 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 là. Ça le rend comme ça de bouffer, lui. On va pas faire long feu ici. En plus, on a vu quoi? Là où on habite, là, il y a Uber Eats, Just Do It, Just Cause. Il y a tout. Il y a Deliveroo. On va se régaler. Tous les soirs, ça va partir en burger. Voilà, famille, là, regardons, on a un Quick and Toast. Je peux vous dire que celui-là, il doit être bien toasté. Sa réaction. Regardez-moi cette viande. Là, on a des chicken onions. Là, je peux vous dire que celui-là, les petits potes, il va être potatoes. Qu'est-ce que tu racontes? Déjà, au niveau de l'odeur, on peut voir que la viande, elle est fumée. Regarde. Vous avez vu, ça a l'air super bien fumé. La viande est super bien cuite. Donc, c'est pour ça que là, Bilal, moi, là, j'ouvre la porte de l'estomac. Bismillah. Oh la famille. T'aimes pas? Si, il est bon mais bizarre. La famille là, à l'intérieur il y a quoi? De la viande, des oignons grillés, du fromage, cheddar avec de la sauce, de la salade. Oh là 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 là, bismillah. Ne t'inquiète pas, je te filme. Alors qu'est-ce que t'en penses? Wouah! On n'a rien mangé de la journée. Allez tiens, laisse-moi goûter, ça veut dire. Regarde-moi ça, wesh. Eh, à la base, on devait juste goûter. Hein. Je t'abuse, mon ref, on devait goûter. Rien à dire, le Quick and Toast, c'est validé? Il est toasté, c'est validé. Bah vas-y, tu sais quoi? Tu m'as lancé, je m'arrête plus. Petite boisson. Ça a quoi? C'est un Lipton Iced Tea. Waouh, il est super frais, ça fait du bien, ça glisse là la gorge. Moi, le seul truc qui me perturbe vraiment, c'est le pain. Ici, il est ultra dur. Moi, je vous le conseille, il est super bon. Et... Bon, regardez ce burger, la famille. Celui-là, c'est un cheeseburger tout simple. Il coûte 2 euros, donc il est vraiment pas cher.
Waouh. Il y a des cornichons à l'intérieur. Vous savez ce que c'est les cornichons? En fait, c'est des cornes qui ont des nichons, tout simplement. Vas-y, goûte. Oh. Il me dit goûte et après il mange. C'est vrai que là, il y a deux steaks. Ils sont assez fins, ils ont abusé. Regarde comment c'est fin. Ça va. Déjà, c'est de la brioche, c'est du pain brioché. Ta gueule, Adem. Qu'est-ce que t'en penses, Adem? Il est légèrement sec, mais ça va. On va pas se mentir, il est un peu sec. Quand t'avales, en fait, on dirait qu'il y a un caillou qui passe. Mais après, faut rajouter de la sauce. Hein. Vous rajoutez de la sauce. Wesh, mais t'as trop faim. J'ai super faim, je t'ai dit, j'ai attendu cette vidéo depuis des années. Je le valide, mais moins que l'autre. Et en plus de ça, on va pas tenir avec tout ce qu'il y a. Faut vraiment qu'on goûte. Ouais, mais on goûte un petit peu plus, un petit peu plus. De toute façon, nous, c'est toujours comme ça, hein. Toujours on goûte, mais un peu plus, du coup, on mange tout. Eh, hey, logique, arrête de chialer, je sais que t'en rêves. Le mec, il est heureux, il fait le genre... Ta gueule. C'est un tropico, celui-là. Ah ouais? Tu valides ou pas? Ouais, vu sa gueule, il valide. On est au deuxième burger et je suis totalement explosé. Moi, j'ai encore de la force, de la puissance. Bang bang. Gros, c'est la puissance, que la puissance. La puissance. Ouais, c'était une musique qui date t'allez ouf, mais vas-y au calme. Eh, mon estomac, avec le temps, il s'est rétréci. Hein. Vous êtes au courant que là, il veut lâcher l'affaire alors qu'il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 burgers. Ouais, mais en même temps, on devait goûter. Bon, la famille, on va goûter là, parce que c'est vrai qu'on abuse. Bon, c'est parti. Celui-là, c'est le suprême onion beef, la famille. Il y a des oignons grillés, de la tomate, du cheddar, de la viande. Bon, je vais vous taper le croc légendaire. Elle fait pas d'autres crocs. Ça, c'est la miniature. Je vous cache pas que celui-là, c'est un des meilleurs burgers que je kiffe chez Quick. Ah, parce que tu l'avais déjà goûté, t'es allé sans moi. L'élève a rattrapé le maître. Moi, c'est fini, moi. Moi, je démissionne. Oh, il est incroyable. Wesh, ça y est, on devait goûter encore une fois, t'as tapé la moitié. Regardez à l'intérieur, putain, tout part tellement il est blindé. Bismillah. La sauce à l'intérieur, elle est incroyable. T'aimes bien ou pas? C'est bizarre parce qu'en fait, à l'intérieur, il y a des œufs, on dirait. Wesh, arrête de te plaindre, mon ref, à chaque fois il se plaint, wesh, c'est un bouffon lui. Non, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas très fans de Quick. Moi, en vrai de vrai, il y a meilleur partout. Ah, vous savez ce qui a inventé Quick? C'est un oiseau. Attendez, il était là en train de voler. Sa daronne, elle lui a préparé un burger. Elle a fait coucou mon bébé. Il voulait encore des burgers. Du coup, ils ont appelé ça Quick et c'est resté. Plus la merde. Bon, on enchaîne. Alors là, Adem, il y a un long fish ou un long, je sais pas comment ça s'appelle. Un long beat. C'est un ouf. Oh, c'est un long fish. Ça sent super bon. Regardez-moi celui-là. Avec de la salade, du cheddar. Eh, on est en train de devenir des gros lards. Surtout que t'en mets partout. Regarde le canapé. Eh, c'est pas grave, mon ref. On mange tout et après on verra le rangement plus tard. Ça, c'est une phrase de gros, ça. Ah ouais. Oh. Je vais moi ça. Non, en vrai de vrai, Adem, ferme ta gueule et mange, profite. Comment est-ce que tu vois la chaîne progresser, toi? Qu'est-ce qui manque à la chaîne pour la perfectionner? Manger plus souvent des Quick. Vas-y, casse-toi, tiens la caméra, s'il te plaît. Attends. Un truc pour perfectionner la chaîne. Je vais être honnête avec vous. Moi, j'aimerais bien, la famille, avoir un petit monteur vidéo pour pouvoir être plus actif. Si vous voulez plus de vidéos, trouvez-moi un monteur. Moi, je vais vous dire un truc qui est véridict. On est parmi les seuls youtubeurs qui faisons pas vraiment de projets ouf. Attends, véridict, t'as dit. Bah, moi, je te dis véridict, bénédict. Hey, il a même plus de plaisir quand il mange ça. Ouais, je calme-toi un peu. Salut les abonnés. Vous voulez du burger? Vas-y, tenez les abonnés, hein, je vous en prie, mangez. Let's go to the beach. Bon, regardez, on est bien d'accord, il reste beaucoup de trucs. Regardez là-bas la pile de burgers qui reste. Regardez ici, Bilal, ce qu'il a fait de la sauce. Désolé. Regardez la famille, là, il y a du cheddar, des onions bien frits, avec du steak haché, du fromage fondu. Celui-là, c'est le long beef. On a goûté le long fish. Moi, celui-là, il me regarde, il est comme ça, le burger. Oh, Dédé. Wow. Oh. C'est le meilleur. Ah ouais, attends, j'arrive. En fait, c'est tous les meilleurs. Fais-moi voir ça, mec. Regardez, wesh. Il a dit, c'est tous les meilleurs. C'est vraiment une phrase de titan colossale, ça. Il est barbecueisé. Ah, il est fumé. Voilà, il est fumé. Et je vais le fumer. Ouah, Starfallah, il est incroyable. A Quick, demande tout tes halal. Vous imaginez, tous les soirs, je vais manger. Après, faut faire attention à la santé. Ah, le mec, il essaye de reprendre du sérieux. Ils sont vraiment tous secs. Si tu me racontes s'ils sont secs ou pas, mais de la sauce, moi, je les trouve pas du tout secs. En fait, lui, il mange vraiment pour manger maintenant. Tu sais même pas faire ton jugement, toi, t'es un bouffon. Non, le tout premier, il y avait trop de sauce là, pas assez sur tous les autres qu'on a mangé. Ouais, tu fais que te plaindre. Bah, tu sais quoi? Lâche, donne-moi ça. Mais... mais attends, mais c'est le but de noter ce qu'on mange. Oh non, je note rien du tout. Toi, si tu veux faire le cheu-cheu, genre, non, bah, je sais pas, mange ta grand-mère alors.
casse les couilles, ferme ta gueule un peu. Ils sont incroyables. C'est halal. Faut en profiter. Moi ouais, j'arrête de faire cette tête, ils sont hyper bons. J'aime pas. En vrai de vrai c'est bon mais... Même maman elle les fait pas mieux. Non franchement les burgers maison, ils sont éclatés les burgers maison. Petite boisson. Et les boissons, t'aimes bien au moins les boissons? Non parce qu'elles sont coupées à l'eau. Oh c'est trop grave lui. En vrai c'est bon mais c'est pas bon. Il faut que mon cerveau refuse cette nourriture. Voilà, en fait il dit ça psychologiquement pour arrêter de manger des burgers à la famille parce qu'il est en train de grossir. Il fait 180 kilos. C'est ça? Non. Non, 100 kilos tout pile. C'est pareil. Il faut que j'arrive à 85 kilos. Le ramadan, il va me faire perdre 15 kilos et c'est carré après. Je fais 84 kilos, dites-vous juste que j'ai grave maigri. J'ai grossi, mais comparé à Adem, 150 kilos, la vie de ma mère, ça va encore, ça va. Tu vois pourquoi tu déformes toujours les propos? Je l'ai arrondi, 200, je suis gentil. Je suis encore gentil, je l'ai bien arrondi. Allez, on continue. Oh là 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 là, regardez celui-là. Ah, celui-là, c'est un long chicken. Ah, là, il y a du chicken. Le chicken, c'est de la dinde, bismillah. Moi, je regardais mes joues. La vie de ma mère, après la vidéo, je vais courir. Ouais, on y croit tous. Enfin, je vais courir sur GTA. Hein. Lui, il est sec. J'aime pas la dinde. Regardez la sauce, là. Moi, j'aime bien juste la sauce, mais le burger, il est pas ouf. T'aimes pas? Vas-y, tiens. On dirait que je mange un couteau. C'est hyper sec. Pourquoi un couteau? C'est tranchant et ça m'arrache la gorge quand j'avale. Par contre, la sauce, elle est bonne. Ouais. C'est la meilleure sauce qu'il y a. Hein. C'est un carnage, là, tout ce qu'on a fait ici. Regarde, il y a de la salade dans le canapé. T'inquiète, on mangera à la fin, arrête de chialer. Non, mais ça commence à me saouler, puisque moi, je vais pas faire le ménage ici. Je vais pas faire les tâches ménagères dans le local, ok? Alors tu ranges avec moi. Oh. Je l'ai déchiqueté. Au pire, passe la caméra, espèce d'abruti. Regardez ce burger, ils l'ont encerclé sa mère. Ils voulaient pas qu'il s'enfuit. Ils ont dit toi tu restes à l'intérieur de la prison. Alors à l'intérieur la famille. Wesh, mais tu fais quoi? Adem, c'est rien, c'est de la salade, regarde. Non mais quand même, sois propre. Un steak avec de la tomate et de la sauce. Oh là là, je vais plonger ma gorge dans l'intérieur. Bon bah dis ce que t'as à dire. Donne. J'aime pas. Regardez comment ça déborde. Tu vois, nous on est là, on est des clients en plus, on risque d'être des clients très fidèles. Merci aux clients fidèles. Non. Merci aux clients fidèles. Vas-y, tiens ça. T'aimes pas? Y'a une sauce à l'intérieur. On va pas se mentir, elle est pas ouf. C'est une sauce au poivre. Ah bah elle est dégueulasse. Et la famille, vous ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de gâchis. Si on termine pas les burgers, on va les ramener à papa. Salut papa. Non mais c'est pour te dire qu'il va les finir, y'a rien de méchant. Après ça existe hein, demain. Ouais, tout à l'heure. Big Burger. Putain c'est n'importe quoi cette vidéo. C'est propre. Perfect. Fallait que je sois un youtubeur bouffe. Bon, la famille, là, regardez, il y a une petite boîte de patatos. Ça s'appelle des rustiques. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Ça, c'est rustique. J'en suis sûr que c'est un goût rustiquement rustical. C'est un goût de pomme de terre qui vient de la terre. Ça, tu vois, je préfère manger ça qu'un burger. Il reste deux burgers, hein. On les laisse pour la fin. Bon, alors là, on a tout simplement un bâtonnet à la mozzarella. On goûte, bismillah. Ouais, c'est pas ça. C'est un truc au poisson, il y a du fish dedans. Il y a du poisson entouré d'une chapelure bizarre. Si on dirait quoi, les bâtonnets à flunch? Moi j'aime bien. J'aime pas du tout. Là, il fait trop le jet dans cette vidéo. Hors caméra, vous savez pas comment il démonte tous les burgers? C'est faux. Je rigole. Je sais pas ce que c'est. C'est des trucs à la mozzarella. On appelle ça des cheesy. On voit pas bien, mais il y a des petits trucs rouges de tomates. Celui-là, il est bon. Hein, on dirait des chips. Non. Alors là, regardez-moi ce bon poulet. C'est pas mal. Ça, maman, elle en achète à la boucherie. C'est bien épicé. Bon, ça va, là, ça pique pas trop. Mais c'est bien assaisonné. Tiens, goûte une aile. Bon, les amis, regardez-moi ça. Franchement, on dirait un crabe. Un scarabée, même. Moi, ça va, je valide. Mais si vous voulez manger du poulet, allez à KFC, hein. Parce que je sais que en Turquie, j'en ai mangé. C'était halal, là-bas. KFC, c'est incroyable pour le poulet. En vrai de vrai, c'est pas mal. Poulet. Regardez les frites au cheddar. C'est bon? Oh, on dirait une sauce fromagère. Ça doit écœurer, non? Oh, dommage, c'est un peu froid. Ah, tiens la cam, j'ai mal au bras. Ah, tiens. Je rigole. Ça, en plus chaud, c'est incroyable. Ouais, c'est ça que je me dis. C'est pas froid, c'est tiède. Bon, alors là, la famille, on a le suprême. Donc, je pense qu'on l'a déjà mangé, celui-ci, regardez. Il y avait de la dinde à l'intérieur. Comment ça s'appelle? Du chicken. Et là, la famille, on va goûter le burger le plus connu de chez Quick. Comment il s'appelle? Le Giant Max. Donc, voilà. C'est avec la sauce, à ce qui paraît, cette sauce, à l'intérieur, elle est hyper bonne. Ah ouais.
incroyable. Ça me dégoûte. Vous verrez pas de mukbang sur la chaîne avant 2030. Regardez la famille, comment se présente le... Comment il s'appelle celui-là? Le Giant. Un burger comme ça, le nom, tu dois le retenir, c'est important. Ok, je prends note, regardez-moi ici, il y a beaucoup de sauce. Normalement, celui-là, il va pas être sec. Bismillah. Il est pas du tout sec, c'est l'un des meilleurs. Celui-là, je place dans le top 3 avec le long fish et le long beef. Mmh. Oh la famille, je sais pourquoi il est connu celui-là, parce que c'est le meilleur. Mmh. Celui-là même froid, il est exquis. Mmh. Validé. Ça, vous connaissez, hein, quand on va dans les fêtes des loges. Comment ça s'appelle? Des churros. Les fêtes foraines. Il y a des churros, il y a des pommes d'amour, mais là, c'est les churros. On goûte, bismillah. Wesh, c'est des chips. La vie de ma mère, c'est des chips. C'est tout sauf des churros. Je vais pas vous mentir, les churros, je valide pas. Là, on a un bon petit cookie. Mmh. Wow, attends. Mmh. Vas-y, goûte, il est incroyable, il est fondant. Mmh. Oh, petit déjeuner, les potes. Attends. Doucement, t'es gros, espèce de gros porc, va. Laisse-moi un, incroyable, tu valides? Je valide aussi, mais tu me laisses une moitié. Ta gueule. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les mélanges. Regardez, ouais, je craque. Bon, la famille, là, regardez, on a le Mix Mania. Donc, c'est la glace de chez Quick. Donc, là, on peut dire que c'est une soupe. Ah, ça dégoûte, on dirait de la crotte de nez. Non, en fait, c'est un milkshake, c'est trop bon. Waouh. C'est de la glace, hein. Clairement, c'est de la glace. Regardez, on voit le morceau là-bas. Mais il me dit que c'est un milkshake. T'as vu, c'est ouf, hein. C'est plus un milkshake, là, c'est un demi-milkshake. Eh là, mon ref, je peux dire qu'on a fait milkshake, comme ça. Un, deux... Waouh, hamdoulillah, on a bien mangé. Hamdoulillah. Bon la famille, merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant que ça vous a plu. Maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui sont pas encore abonnés. Dites-nous en commentaire si vous kiffez ce genre de concept, un petit peu chill, en mode vlogging. Je vous cache pas que ça risque d'arriver très souvent les vlogs, parce que il y a quoi qui arrive? Le ramadan bientôt, donc la famille, il y aura peut-être une vidéo par jour. Donc restez à l'affût sur la chaîne Adem et Bilal et sur la chaîne principale. Si c'est pas par jour, ce sera tous les deux jours. Donc voilà la famille, il y a des projets qui arrivent, il y a des projets en cours. Quand il n'y a pas de vidéo sur la chaîne principale, ne vous inquiétez pas, on reste pas sans rien faire, vous connaissez. Merci en tout cas de nous suivre. Gros bisous à tous la famille, je vous aime. Sur ce, partagez la chaîne. À vos amis. Et à vos ennemis. On va se retrouver très prochainement pour de nouvelles vidéos. Cache tes poils. C'est dégueulasse. C'était Adem et Bilal. Salam la famille. Mouah. Muchachas. Gringas. Oh, comment il est gros. Yes. Yes. Perfect.